Aujourd'hui, vendredi 21 octobre 2022, nous nous sommes rendus à la pépinière d'entreprise Eurodev Center à l'occasion de la journée porte ouverte. Nous partons à la rencontre de Laurent Damiani, directeur du site. Monsieur Damiani, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à la pépinière d'entreprise. Pour les auditeurs et pour les habitants qui ne sont pas venus aujourd'hui à cette journée porte ouverte, qu'est-ce qu'ils ont raté exactement et qu'est-ce que peut nous apporter la pépinière d'entreprise? Alors, déjà, c'est un événement qu'on a lancé il y a 2-3 semaines et qui se voulait sans prétention, parce que l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas un gros événement qu'on voulait faire avec une grande préparation longtemps à l'avance. Il faut qu'on soit plus que jamais agile et l'objectif, c'est tiens, on va tenter un petit truc. Mmh. On fait une journée porte ouverte, toute notre équipe à disposition de 10h à 18h et tout à chacun, toute personne peut venir vraiment voir ce qu'on fait. Et justement, quelque part, ne vous inquiétez pas s'il y en a qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, bah, c'est que partie remise et on accueille vraiment toute personne intéressée par la création d'entreprise. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, malgré le contexte actuel qui fait qu'il y a un petit peu de retrait dans les projets de lancement, où les gens freinent un petit peu, ce qu'on peut comprendre. Bon an, mal an, on accueille entre 80 et 100 porteurs de projets, on en accompagne 15 à 20 et on en intègre 5-6. À la fois Eurodev Center ici, qui est un beau bâtiment de 3000 m2, qui est destiné à accueillir des entreprises de services à haute valeur ajoutée et des entreprises un peu industrielles, mais également à l'hôtel d'entreprise au Technopole Forbach Sud. D'accord. Voilà. Justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, une personne qui aurait un projet aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va trouver comme accompagnement en venant chez vous? Ce qui est important, c'est d'écouter la personne. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne prend plus le temps de s'écouter. Donc, c'est la recevoir, l'écouter, la faire parler, prendre une heure de son temps, de préférence en présentiel. Et déjà écouter son projet. Et là, on arrive à identifier la maturité un peu du projet, l'expérience de la personne, et en fonction de ça, en fonction de la typologie du projet, soit après on pourra être amené à l'accompagner ici, soit on la réoriente, et ça c'est super important, vers d'autres acteurs et partenaires qui sont complémentaires à notre activité. Si on a affaire à quelqu'un, par exemple, qui veut pas encore prendre trop de risques financiers ou juridiques, elle peut être accompagnée par une couveuse. D'accord. Comme Cap Entreprendre, comme Alexis Grand Est. C'est intéressant parce que ça permet de se concentrer sur son marché et on est hébergé juridiquement par une couveuse. Donc en amont de la pépinière. Oui. Et nous, on intervient en aval après, quand la personne, elle est suffisamment mature, elle se dit, maintenant je peux voler de mes propres ailes, je peux créer une structure juridique, une SAS, une SARL, etc. Et je peux, après, je recherche des locaux, etc., des bureaux, des ateliers, puis je peux être accompagné ensuite par la pépinière. Donc ça passe par l'aide à la rédaction du business plan, en passant par la recherche d'aide financière, mobilisable, public et privé. Et si le projet après correspond, je dirais, un peu ce que j'ai dit au démarrage, des projets pour le territoire qui sont structurants, là, on monte le dossier ensemble, on passe devant un comité d'agrément qui après autorise l'entrée en pépinière. D'accord. Et pendant l'hébergement, qui peut durer 4 ans, on a un accompagnement régulier, fait de rendez-vous trimestriels et de demandes spontanées chaque jour. C'est un métier qui est passionnant. Oui. Ça fait 15 ans que je le fais et on a envie de se battre pour ce territoire qui est fantastique. Mais c'est juste, rien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin de rassurer les gens psychologiquement, pour moi, et leur redonner une confiance. Et c'est la richesse humaine et on en a ici, on a des talents cachés. Oui. Et pour moi, on a le défaut d'une qualité ici sur ce territoire. On est modeste, bosseur, travailleur. Mais on ne sait pas encore toujours se vendre. Mais on évolue, je pense. On évolue avec le changement de génération, etc. C'est un travail de longue haleine, mais qui est passionnant. Oui. Les 15 ans qui se sont passés, là, je ne les ai pas vus passer. Et on a un beau territoire. Et à Forbach, on crée de l'emploi, on crée de l'activité. Les zones d'activité sont pleines. Après, on a toujours, on en est conscient, ce souci du recrutement, qui est un problème général en France en ce moment. Mais il faut plus que jamais rapprocher les besoins, l'offre et la demande et des gens. Mais il faut redonner parfois un peu de rouage, d'huile dans les rouages, mais cette confiance. Et il n'y a pas de question. Pour moi, c'est une qualité de reconnaître qu'on a besoin d'être accompagné. C'est une marque de lucidité, en fait. Parce qu'en plus, on augmente ses chances de pérennisation quand on est accompagné. En France, on crée sa boîte sur 100 boîtes créées. Il y en a encore 50 qui existent au bout de 5 ans. Mais quand on a accompagné, il y en a 70-80 qui existent encore. D'accord. Et on peut pas tout faire, donc autant s'entourer de personnes. Moi-même, je suis un généraliste. Mon job, c'est d'aller chercher des compétences et qui correspondent à un besoin à un moment donné.
de l'entreprise. Pour moi qui connais un petit peu ce bâtiment, si maintenant je suis une personne donc, qui loue un bureau, il faut savoir que j'ai aussi à portée de main pas mal d'outils tels qu'une salle de conférence, une salle de pause, on a aussi une secrétaire, on a la possibilité de faire des photocopies. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? C'est... Vous avez déjà bien résumé. En fait, c'est un travail formidable, c'est un travail d'équipe. On a la chance ici d'avoir une équipe soudée. Effectivement, avec Jessica qui est à l'accueil, qui accueille tous les visiteurs, les résidents. On a également Claudine qui est sur l'hôtel d'entreprise. On a Benjamin qui s'occupe de projets européens aujourd'hui. Et cette chance-là, c'est vrai qu'on a des services d'accompagnement. Et puis un truc tout bête, un exemple tout bête. À part pour des contrats spécifiquement signés avec des entreprises selon leurs besoins logistiques, on va à la poste tous les jours. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait presque gagner une heure par jour. Les gens doivent déposer leur courrier avant 15 heures et on s'occupe de la franchir et d'aller à la poste. Bah, quand vous faites gagner une heure par jour pendant 5 jours, c'est pas mal. Hein. Bah, écoutez, je vous remercie déjà pour toutes ces précisions et j'invite vraiment les auditeurs. Ouais. Venez absolument à l'Eurodev pour tenter de communiquer déjà avec M. Damiani sur votre projet et savoir toutes les aides qu'il peut vous apporter. C'est vraiment important. Et on a un leitmotiv, on veut faire en sorte que vous vous sentiez chez vous en venant chez nous et qu'on innove ensemble quel que soit votre projet. Parce que dans tout projet, il y a toujours l'innovation et il faut aller la chercher. Parfois, les gens n'ont pas conscience. C'est vrai, je peux vous dire en fait vraiment qu'ici, l'ambiance est très conviviale. Merci, Monsieur Damiani. Merci, à bientôt.